Bonjour! Le faux contact de mon micro s'est aggravé, donc je suis encore plus crispé. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais reprendre le tag Comment je lis de l'Olifant. Je suis trop content qu'elle soit de retour sur YouTube parce que j'aimais trop sa vidéo. En fait, c'est des vidéos que j'adore regarder. Au début, j'osais pas trop le faire parce que je me disais quand même le melon qui s'intéresse. Je me suis dit, bon, bah, vous êtes abonné, donc à un moment, j'imagine que ça doit un petit peu vous intéresser. J'ai suivi un peu le modèle que tout le monde a fait. Donc, je vais d'abord parler de comment je rencontre un livre, comment je le fais rentrer dans la fameuse liste de souhaits. Et ensuite, comment j'achète, comment je récupère le livre, comment je gère la pile à lire, si on peut parler de gestion. Et enfin, comment je lis en tant que tel. Déjà, comment je découvre les livres? Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que... Je sais pas pourquoi je dis que c'est drôle, alors que c'est pas du tout drôle. Mais évidemment, bah, BookTube, enfin, c'est sûr. Moi, je suis pas du tout sur Insta et TikTok, donc c'est vraiment BookTube qui est une grande source d'inspiration, mais... Je veux dire, on le dit tous dans toutes les vidéos, comment je dis, tout le monde dit je suis inspiré par les collègues. En même temps, j'ai envie de dire, si on fait des vidéos sur YouTube qui parlent de lire, c'est que probablement qu'on aime regarder ça. Et le fait est que j'adore regarder des vidéos où les gens parlent de livres. Donc forcément, quand quelqu'un parle avec ardeur d'un livre qui a l'air de m'intéresser, je ne perds pas une seconde à avoir envie de le lire. Et en fait, c'est marrant parce que bah, je dirais qu'en fait, ça fait 2 ans seulement que je regarde des vidéos sur YouTube. Parce que, été 2022, j'ai commencé à regarder le BookTube français, et avant, ça faisait peut-être 1 an que je regardais genre une meuf en anglais. C'est parce que fin d'été 2022, j'ai un peu renoué avec mon amour de la lecture. Je bosse donc en librairie l'été, et j'avais le droit à un petit chèque cadeau à la fin de l'été. Et du coup, je devais un peu me motiver. Dire, bah attends, j'ai un tel montant, quel livre me donne envie? Et je crois que cette reconnexion avec mon désir pour la lecture a été vraiment bah, hyper féconde parce qu'après ça, je pense que ça faisait. Enfin, j'ai toujours aimé lire, mais du coup, ça faisait des années que je me restreignais un peu avec le budget étudiant, j'achetais très peu de livres. Mais je reparlerai peut-être pendant la question de comment j'achète, mais bref. Toujours est-il que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et en fait à ouvrir les yeux sur une infinité de livres dont j'avais jamais entendu parler, qui me donnaient trop envie. Et du coup, j'ai repris mon compte Goodreads, j'ai commencé à mettre tout sur le Want to Read. Bref, à partir de ce moment-là, donc à partir de septembre 2022, j'ai commencé à avoir en tête plein de livres qui me donnaient vachement envie grâce à BookTube. Mais en fait, au-delà de ça, je fais souvent mes recherches quand même moi-même. Bah, par exemple, je crois que j'en avais parlé pareil dans 26 livres marquants, mais par exemple, quand j'écoutais un podcast que j'adorais, j'allais souvent taper sur Reddit ou des trucs comme ça, recommandations de livres un peu similaires et tout, et du coup je tombais sur des trucs qui me donnaient vachement envie. Après j'aime trop aller sur des listes, genre sur Sens Critique ou des trucs comme ça, meilleurs livres de nos vies, meilleurs livres de notre enfance, tout ce bordel-là, j'aime trop aller regarder des trucs comme ça. Ensuite j'utilise pas mal Goodreads en vrai, je vais souvent dans l'onglet découvrir, au moins je regarde ce qu'il y a et tout, et je mets facilement dans... Ça a l'air intéressant. J'aime trop aller regarder ce que les gens lisent, aller regarder j'ai envie de dire le Spotify Wrapped, mais c'est pas ça, c'est le... Je sais plus comment ils l'appellent sur Goodreads, mais c'est pas grave. L'année de lecture, et aller voir ce que les gens ont bien aimé, etc., ce que les gens ont lu. Ça aussi, ça m'ouvre vachement les portes de plein de livres. En fait, je me suis rendu compte en préparant un peu cette vidéo que j'ai plein de sources où je découvre des livres dont je n'entendais pas parler, quoi. Et notamment, j'aime beaucoup aller sur Vinted. En fait, souvent, en cours... Lol. Je prends toute ma liste de souhaits sur Goodreads et je vais les voir s'ils sont sur Vinted et je les mets en favoris. Mais sinon, souvent, je vais juste scroller, je mets genre, je trie un peu, je mets livre, livre de l'imaginaire ou des trucs comme ça. Et je scrolle. Et je regarde ce que les gens mettent dans leur magasin. Et du coup, bah, y a plein de livres que j'ai envie de lire et du coup que je repère, etc. Souvent, du coup, une fois que je suis sur la boutique de quelqu'un qui a un livre que j'intéresse, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme autre livre et parfois je me dis, ah tiens, c'est marrant, je connais pas, qu'est-ce que c'est, etc. Et je regarde et ça me donne envie, etc. Et jusqu'à récemment, en fait, j'allais aussi sur Glyph, une autre appli de lecture. Désolé, Sibylle, j'ai supprimé Glyph parce que j'y allais jamais, en fait. À part pour aller regarder de temps en temps. En fait, ils font tous les jours une petite série de recommandations, mais ça me saoulait parce que. En fait, j'avais parfois tout le temps les mêmes. Donc ça, c'est un peu comment je découvre des livres. Je fais pas du tout le flânage en librairie. Mais ça, bon, j'y reviendrai sur la question comment j'achète. Mais en librairie, souvent, je viens pour acheter un livre. Wow!
Ou alors je viens et je cherche les livres que j'ai envie d'acheter. Du coup, je fais pas trop, ah, je flâne et je dis, ah, tiens, c'est marrant, j'ai pas entendu parler de ce livre, ça a l'air trop bien. Ça, je le fais pas trop. En revanche, ce que je fais énormément, c'est à la bibliothèque. Ça, pour le coup, j'adore aller au rayon BD, par exemple, et prendre des trucs dont j'ai jamais entendu parler. Et du coup, je découvre vachement de choses. Et je le fais un peu moins pour les romans parce que là, c'est plus, tiens, il y a ce livre que j'ai envie de lire et il est à la bibliothèque. Donc c'est un peu le même principe que à la librairie, quoi. Les romans, pour le moment, il y en a tellement qui me donnent envie que j'ai un peu du mal à être spontané. Sans parler de tous les livres dans ma palle. En fait, c'est bien parce que, comme le téléphone est comme ça, vous voyez moi, vous voyez vite fait ma bibliothèque. Il y a un trou ici parce que je suis en train de relire les BD Dune. Car, à Arte, je suis allé voir Dune, partie 2. Je pense que j'ai à peine survécu à cette expérience. C'était incroyable. Je m'en remets toujours pas. J'ai deux tomes du roman graphique. J'étais là, il faut que je replonge dans cette histoire et je m'écoute la musique du film. Bon, bref, rien à voir. Mais donc, vous voyez cette bibliothèque-là avec. Normalement, ici, c'est les livres lus. Vous voyez pas, il y a d'autres étagères au-dessus. Et derrière vous, vous avez mon bureau avec des piles sans fin de bouquins. Qui donc constitue ma pile à lire. Tout ça pour dire que vous ne voyez pas, du coup, ma pile à lire énorme. Dans l'ensemble, voilà un peu comment je découvre les livres et comment je découvre des envies lecture, quoi. Et c'était l'Olifant qui disait justement qu'elle ne lisait pas du tout la quatrième de couverture. Et c'est marrant parce que c'est en l'écoutant que je me suis dit, c'est vrai, moi non plus. Bah en fait, soit c'est un livre dont j'ai entendu parler, auquel cas je n'ai pas envie d'aller lire la quatrième de couverture, parce que j'ai juste envie de découvrir le livre, parce que c'est vrai qu'en fait, parfois, les quatrièmes de couverture, enfin, c'est. Bah, typiquement. Les chants de Nuying dans la vidéo, la sitcom épisode 2, c'était pas possible, cette quatrième de couverture à des années-lumière de ce qu'il y avait vraiment dans le livre, quoi. Donc, bref, voilà un peu comment je découvre les livres. Maintenant, comment je me procure les livres. Pendant des années, je lisais peu, j'achetais très 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 peu de livres. Je dirais toute ma scolarité post-bac, un peu. Et bah, depuis 2022, là, c'est l'explosion. Et donc, fin 2022 jusqu'à fin 2023, j'ai acheté. Beaucoup, beaucoup de livres. Donc j'ai rempli ma pile à lire qui lui avait peut-être 3 livres dedans, et maintenant il y en a 150, je crois, hein, quelque chose comme ça, 130 peut-être. Un peu moins maintenant, puisque je l'ai bien entamé là. Parce que rappelons mon objectif de cette année, qui est de ne pas emprunter de romans à la bibliothèque, par exemple, car je dois avancer ma pile à lire, je dois peu acheter, et pour le moment je me suis plutôt bien tenu. J'en ai acheté 2. On est quoi? Début avril, 2, c'est pas mal. Tu veux une médaille? Bref, donc. Tout ça pour dire que j'achetais peu et j'ai eu un moment où j'ai acheté énormément. Et là, pour le coup, effectivement, j'allais en librairie, je cherchais les livres dont j'avais entendu parler. À l'époque, j'avais vraiment très peu de livres. Et du coup, j'ai eu cet élan un peu de boulimie où du coup, j'avais envie d'avoir plein de livres, rien que pour avoir aussi. Bah, en fait, la bibliothèque, ça comprend aussi les livres qu'on a envie de lire. Et j'avais envie d'avoir une bibliothèque plus fournie, j'avais envie d'être à nouveau quelqu'un qui aime vraiment la lecture. Et bien, c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment craqué mon slip. Et donc, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ce qui fait que, bah, là, actuellement, en 2023, j'achète peu de livres. Et du coup, bah, j'ai moins cet élan d'aller me procurer des livres, etc. Parce que bah, j'en ai plein, quoi. Après, il y a toujours l'Olifant qui en parlait dans sa vidéo, où elle laisse un livre dans sa wishlist tracer assez longtemps pour un peu sortir de la hype du moment où on entend parler du livre. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas du tout fait ça pendant une année. Et là, le fait que je me force un peu à pas acheter. Ça, bah, ça me fait un peu bah, justement me dire, ah, bah, pas tout de suite, c'est vrai, effectivement, les livres ne vont pas partir, ils vont pas disparaître. À part si c'est des éditions limitées, mais j'ai pas encore le budget d'acheter des éditions limitées. Donc, souvent, en revanche, bah, je vais à la bibliothèque, effectivement. Là, du coup, mon objectif, c'est de plus emprunter de romans, parce qu'en fait, bah, l'année dernière, j'achetais beaucoup de livres, et j'empruntais des romans à la bibliothèque, ce qui fait que je ne lisais pas les livres que j'achetais. Donc, du coup, je me suis dit, c'est con, lis les livres que tu as achetés, quitte à, par exemple, quand je commence une saga, aller chercher. Les tomes suivants à la bibliothèque, si j'ai pas le temps, je sais pas, je les trouve pas en occasion, sur Vinted ou autre. Mais donc, bah tiens, transition. J'achète beaucoup de livres sur Vinted. Ça, pour le coup, j'aime beaucoup. Même si c'est vrai, les frais de port, pas ouf. Recycle le livre, pas mal aussi. Jibert, bah j'aime beaucoup acheter d'occasion quand même. Et en même temps, j'ai eu, bah pareil, cet élan en 2023, là. Comme justement, j'avais passé un peu ma vie à acheter des livres en occasion, bah, j'allais plutôt chercher les livres neufs en librairie. Donc voilà, grosso modo, comment je récupère les livres. Bon, après, il y a des cadeaux, mais bon, ça, je le contrôle pas. J'espère que c'est intéressant pour vous. Non.
En tout cas, bon, bref. C'est marrant, j'ai pas du tout parlé de la gestion de ma pale. Oh, c'est drôle, allons-y. Et du coup, oui, comment je gère un peu une fois que tous les livres sont chez moi? Bon, bah déjà, il y a les livres de la bibliothèque qu'il faut lire dans un temps donné, et j'accepte maintenant un peu plus de ne pas avoir tout lu, et de rendre certains trucs sans les avoir lus. Parce que parfois, genre, je savais que c'était le dernier jour, et j'étais en mode, ok, je m'asseyais sur mon pieu, et je lisais genre 4 BD que j'avais pas encore lus, parce que je voulais tout finir avant de rendre. Mais donc, ça c'est pour la bibliothèque. La gestion de la pile à lire, bah du coup c'est ce que j'expliquais. Il fallait que je lise les romans de la bibliothèque pour pouvoir les rendre, etc. Donc du coup elle descendait pas trop. Mais c'est toujours un peu difficile moi. Il y a tellement de livres maintenant que j'ai du mal à choisir. Parce qu'il y en a plein qui me donnent envie. Alors tous me donnent pas forcément envie au même moment. Mais souvent je vais regarder les livres. Parce que du coup ils sont en face de mon lit et je les regarde et je me dis, ah, il y a ça qui me donne envie, ah, il y a ça qui me donne envie. Mais je suis en train d'y lire autre chose. Et à la fin du livre que j'ai lu, bah, j'ai envie de lire autre chose que ce que j'avais eu envie à ce moment-là. Donc du coup, j'ai un peu du mal à choisir. C'est pour ça que j'adore faire des piles à lire. Parce que du coup, le fait que je dois faire rentrer un livre dans une catégorie, ça m'aide à me dire, ah bah du coup, je vais lire celui-là. Ça me donne une raison de le lire, etc. Après, j'ai pas mal lu, pareil, en 2023, sur téléphone et en audio. Alors souvent, je trouvais un moyen pas très légal de trouver les différents livres, que ce soit en audio ou en EPUB, là, enfin les formats liseuses, quoi, que je mettais sur mon Apple truc, là, sur mon téléphone. Sur mon Apple truc, non, mais je cherchais le nom de l'appli. J'appelle pas mon téléphone mon Apple truc. Tout ça pour dire que je trouvais des moyens un peu pas très légaux pour trouver tous ces... le format, donc, digital. Mais ce que je faisais aussi beaucoup, c'est que je bénéficiais de l'appli Libby, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est une application, je crois, nord-américaine, où en fait, on peut se connecter à notre bibliothèque et emprunter les livres sur notre téléphone. Et donc, que ce soit livre audio ou livre digital. Et en fait, j'ai l'avantage d'avoir mon frère qui habite au Québec, et donc, j'utilisais carrément sa carte de bibliothèque pour emprunter des livres à la bibliothèque de Montréal. Ce qui fait que j'ai pu lire pas mal de trucs en anglais aussi, puisqu'il y a très peu de livres en français sur l'application, en l'occurrence. C'était super pratique. En fait, il y a eu tout un temps où j'ingurgitais des lectures, et donc j'avais un livre audio en cours pour quand je faisais des trucs où je pouvais écouter quelque chose à côté. Un livre en physique pour tous les moments de lecture normaux, j'ai envie de dire. Et un livre sur mon téléphone pour quand je ne pouvais pas sortir mon livre. Parfois, c'était j'essayais de faire en sorte que ce soit le même livre sur les trois formats, mais parfois, c'était trois livres différents, et c'est vrai que c'était un peu trop pour moi. Là maintenant, je me restreins un peu à un seul livre. Et ça va être une très bonne transition pour comment je lis concrètement. Et la réponse, c'est... je lis pas. Non, je déconne. C'est typiquement, avant, je lisais donc pas mal en audio et pas mal sur mon téléphone. Et c'est vrai que depuis, je dirais 6 mois maintenant, je le fais beaucoup moins. C'est toujours cet équilibre délicat où souvent, quand je veux écouter un truc, je mets plutôt une vidéo YouTube parce que j'ai une pile à regarder. Énorme, j'essaie de la baisser et tout, mais comme je m'abonne de plus en plus à de nouveaux, notamment booktubeurs en France, à chaque fois il y a toujours plus de vidéos, donc c'est assez dur de maintenir un rythme, et du coup j'écoutais moins, puis parfois je trouve pas forcément le livre audio du livre que je lis en ce moment, puisque j'essaye de moins lire plein de livres en même temps. Donc je lis moins en audio, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai alterné livre audio et livre physique pour Nevermore, qui était génial. Vraiment, la narratrice, elle était incroyable. Pareil pour La Sentier des Astres. Donc je lis plus trop en audio. J'aime beaucoup ça, mais je trouve pas forcément le temps et le moment de le faire. Déjà, j'arrive plus trop à écouter des podcasts, alors que c'est quelque chose que j'adore. Enfin bref, c'est tout un équilibre de... J'ai pas assez de temps dans ma vie et il y a trop de choses que je voudrais faire. Et sur mon téléphone, je lis plus trop, pareil. Bah parce que fut un temps que je me suis mis plutôt à lire mes mangas sur mon téléphone. Du coup, le temps que je voulais prendre pour lire mes livres physiques, bah je lisais des mangas sur mon téléphone. Enfin, ça m'allait pas, quoi. Maintenant, je me mets un peu peut-être trop la pression, mais il me dit, il faut que je lise les romans parce qu'il faut que je finisse cette foutue pile à lire. Je sais que je passe dans des mouvements un peu extrêmes, j'ai acheté énormément, maintenant j'achète plus du tout. Il n'y a pas trop de nuances, là pareil, je lisais pas trop mes livres de la pile à lire, maintenant je me dis il faut absolument que je lise que ça. Du coup j'ai du mal à lire les BD de la bibliothèque parce que je me dis chaque temps de lecture doit être consacré à un roman. Bon bref, c'est pas grave, j'explore un peu tout l'éventail de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais dans tous les cas je passe des bons moments, c'est pas comme si je me torturais. Je sais qu'au fil des moments je vais trouver un peu plus de nuances. Parce qu'au final j'ai repris la lecture à fond depuis pas si longtemps que ça, quoi. Donc voilà pour la question des formats. Maintenant le temps de lecture, ça c'est un peu plus compliqué dans ma vie. Parce que quand je suis chez moi, c'est quelque chose que j'ai vachement de mal à faire. Parce que souvent j'ai toujours un autre truc à faire. Bon, il y a aussi pas mal de boulot avec la fac quand même, quand je le dise. En fait je lis moi dans le métro. C'est là où je lis le plus, et comme j'ai facilement plus de 2 heures de métro par jour, bah en fait ça me fait plus de 2 heures de lecture par jour. Ce qui fait que comme je lis très lentement en vrai,
Genre j'ai pas du, je lis pas du tout vite mot par mot quoi, j'ai tendance même parfois à relire mes phrases en me disant qu'est-ce que j'ai bien compris tous les mots, etc. Donc je lis lentement, mais comme j'ai beaucoup de temps pour lire avec les transports, j'avance vite dans les livres. Mais en fait je le vois très bien, par exemple le week-end où parfois j'ai moins de transports, bah je lis beaucoup moins. Donc oui vraiment, je lis dans le métro, je lis dans la rue, en direction du métro. Quand j'ai un temps de marche, j'ai toujours mon livre dans mon sac et je fais comme ça je ne perds pas une minute. Donc c'est vraiment ces moments-là que j'ai pour lire, parce qu'en fait j'aime lire le soir et souvent je le fais, la majorité du temps d'ailleurs je le fais, mais en fait je m'endors comme ça quoi. Du coup c'est un peu un problème parce que si je veux avoir du temps pour lire le soir, bah, souvent si je prends par exemple, je me dis ah bah, très bien, je me couche je sais pas à 23h30, il est 22h30, j'ai 1 heure pour lire, bah, en fait je vais m'endormir à 23h45 parce que en fait lire le soir dans mon lit ça m'endort. Et parfois je veux lire et je me bats contre le sommeil, je m'endors comme ça et je relis 20 fois la même ligne parce que j'arrive pas à suivre. Donc c'est vraiment pas le soir que je lis beaucoup. Là où je vais lire plus souvent, c'est au café. Parce que ça, c'est vraiment une culture familiale dans ma famille. Le temps du café, c'est un temps de lecture, ou en tout cas un temps où chacun fait quelque chose de son côté, mais ensemble dans la même pièce. Et du coup, on est vraiment d'une famille de lecteurs, donc beaucoup de mes frères et sœurs, mes parents, on lit. Et donc j'adore lire, c'est vrai. Pendant le temps après le repas. Et notamment, j'adore lire au soleil après le repas. Donc, ça c'est d'autant plus vrai à partir de le printemps qui arrive, etc. Surtout que là où je suis, il y a un carré de lumière qui arrive à cette heure-là à peu près du repas. Et du coup, j'adore me mettre exactement sur ce petit carré et lire comme ça. Et souvent, parfois, je vais me dire, ok, j'ai envie de lire, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc, je sais pas, imaginons qu'on fasse une Mario Kart avec mon coloc. Mais pendant les temps de chargement des courses, je lis une BD. Je sais que c'est pas ouf, mais j'ai du mal à équilibrer. Enfin, c'est comme ça que j'ai trouvé un peu un équilibre, parce que j'aime lire, bien sûr, mais j'aime faire aussi beaucoup d'autres choses dans mon quotidien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur comment je lis? J'annote pas du tout mes lectures. Je corne pas les pages. J'avoue que avant, j'étais pas très soigneux de mes livres. Et depuis ce fameux moment charnière de septembre 2022, s'il y a un accroc sur mon livre, c'est tragique. Je suis très triste. Donc j'ai tendance à pas ouvrir énormément le livre pour pas casser la tranche. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'étais trop vénère parce que j'étais en train de lire pendant mon repas et j'ai mis une miette de biscuit dans Vita Nostra. Et du coup, j'essayais d'enlever la miette. Et résultat, j'ai ouvert un peu fort le livre, ce qui fait qu'il y a. Bon, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Il y a un léger trait. N'est-ce pas? C'est non. Bon, c'est ridicule, je sais. Voilà, et ça m'a saoulé que ce soit juste à cause d'une miette. Voilà un peu comment je lis. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on est complètement différent ou si au contraire, il y a des trucs qu'on fait pareil, c'est rigolo. En tout cas, moi, j'adorerais savoir un peu plus comment vous lisez, etc. Si vous avez fait aussi cette vidéo et que je suis pas tombé dessus dans mes recherches, parce que j'ai vu celle de The Riddler, Pepper, L'Olifant et Pénélope, et Lorraine des mots de l'imaginaire. Donc s'il y en a que vous avez faites et que je n'ai pas vu, bah, vraiment mettez-le moi en commentaire, j'irai voir et tout, ça me fera trop plaisir de découvrir encore d'autres manières de lire, d'autres manières d'appréhender le livre, le désir pour le livre, etc. Voilà, c'était une vidéo un peu plus je raconte ma life. N'hésitez pas à me dire si ça vous a pas intéressé. D'ailleurs, je me suis dit, et vous pouvez mettre ça en commentaire aussi, si ça vous intéresse qu'on fasse un petit tour de ma pile à lire et que vous puissiez me donner vos avis de ah, ça lis-le, ça va être trop bien, ou alors n'hésite pas à mettre ce livre à la poubelle. Bon, je sais pas trop encore comment faire, mais j'aimerais bien faire des petits vlogs lecture en mode ah, je lis tel livre, et notamment un vlog où c'est vous qui choisissez les lectures. Allez, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous préviens un peu en avance qu'il est possible. Je vais voir un peu comment je m'organise, mais il est possible que je réduise un peu mon rythme de publication puisque je vais arriver en période de révision partielle soutenance de mémoire. Donc, évidemment, beaucoup de boulot, beaucoup de pression. Et j'avoue que sortir une vidéo par semaine, c'est quand même complexe. Peut-être que pendant un temps, je passerai à une fois toutes les 2 semaines. Je pose ça là. Ça se trouve, je vais bien réussir à très bien m'organiser et du coup, j'aurai le temps de continuer à sortir comme ça. Nous verrons. Bref, merci, à bientôt, bonne lecture et puis bye!